la puissance de Dieu. Tu vas partir. David. Non. Tu vas partir. Où? C'est où ça? Allez, au village. David. Au village. Dans quel endroit? David. Allez, va. Allez, va. Allez, va. Va-t'en. Va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au village, vers où ça? Va. Sors. Quel est le nom du village? David. Va-t'en. David. Au nom de Jésus. C'est quel est le village? Allez. Ça n'a pas de nom. Il est là, là-bas. Il ne descend plus là-bas. Donne-moi le nom. Donc tu vas partir. Hein? Tu vas partir. Si. Donc rampe. Rampe plus bas. Reviens ici. Reviens ici. Non, je ne reviens plus, je suis parti. Reviens ici. Je ne reviens plus. Reviens. Je m'en vais comme ça. Attends, reviens. Il donne les dernières instructions. D'accord. Je reviens. On est parti, toi, tu dis quelque chose. J'arrête là, maintenant. Maintenant, dès que tu quittes ce corps, tu ne reviens plus. Non, je ne reviens plus. Ok? Si. Que tu quittes ce corps, tu ne reviens plus dans ce corps. Je ne reviens plus dans ce corps. Ok, donc rentre et va. Je vais libérer aujourd'hui. Voilà, va. Tout ce qu'elle a besoin de sa vie, elle va en avoir. Donc, je quitte sa vie. Va. Va. Tu pousses ton cri et va. Pousse ton cri et va. Pousse ton cri et va-t'en. Pousse ton dernier cri de défaite et va. Pousse ton dernier cri. Quitte à jamais sa vie. Ne reviens plus. Je ne reviens plus. Voilà, quitte sa vie. Est libérée. Oui, tout ce qu'elle a besoin de sa vie, Dieu lui a donné aujourd'hui. Amen. Allez. Nous bénissons au nom de Jésus. Sors. Au travers de ta bouche. Sors. Au nom de Jésus. Allez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Nous sommes appelés une séance de délivrance. C'est une orientation prophétique. Je vis comme tu portes un masque. Les cagoules, les cagoules. Vous voyez porter ça tout à l'heure. La puissance de Jésus-Christ te délivre ce matin. Dieu, dans sa souveraineté, te libère. Libérez-le au nom de Jésus. Je fais tomber ce masque. Libérez-le au nom de Jésus. J'ai le pouvoir. Seigneur, je suis ta vie. La Bible déclare que Christ est apparu en vous, détruit les soeurs du diable. Détruit ce que Satan, le démon, la sorcellerie a semé dans ta vie. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Parce que Christ aimerait que la volonté de Dieu, que tu sois délivré et libéré. Je te libère maintenant. À la puissance. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Non. Le pouvoir du diable est terrassé à jamais. Oh non. Le pouvoir du diable est terrassé à jamais. Oh non. Quitter sa vie. Oh non. Et partir avec le célibat. Vous partez avec l'instabilité. Vous partez avec la pauvreté. Vous laissez ses finances. Vous partez avec l'humiliation. Vous partez avec tout maintenant. Non. Partez. Tu es là. Va-t'en. Toi qui l'empêche de se marier. Toi qui l'empêche de se marier. Au nom de Jésus, tu es là. Si, tu es là. Va-t'en. 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 Tu es là. Va-t'en.
tu iras. Parce que l'heure de sa délivrance a sonné. Tu quitteras ses corps. Tu quitteras sa vie. Tu quitteras sa vie. Tu quitteras sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, oui, tu quitteras sa vie. Elle est tellement bénie. Elle est tellement bénie. Quel est ton nom? Elle est tellement bénie. Quel est ton nom? Elle est tellement bénie. Quel est ton nom? Je suis la femme de son homme. Je suis la femme de son homme. Elle est la lumière de sa famille. Elle est la lumière de sa famille. Quel est ton nom? La femme de son homme, ton nom? Maudit Bonhomme m'appelle. Comment t'appelles? Maudit Bonhomme m'appelle. Mm-hmm. On m'appelle Maudit Bonhomme. Et qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai utilisé ma fille pour la détruire. Tu as utilisé ta fille? J'ai utilisé ma fille pour la détruire. Elle est tellement bénie. Ma fille là. Comment ça s'appelle ta fille? Son Dieu a frappé ma fille. 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 Elle le sait. Elle sait que son Dieu a frappé ma fille. Elle le sait. Et qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? J'ai détruit tout en elle. Tout en elle. Sa grande mariage, sa grande voyage, son commerce, elle est bénie. Elle est la lumière de sa famille. Elle est bénie. Et surtout, elle a une onction, une onction, une onction. C'est cela que tu as détruit. Une onction. C'est cela que tu as détruit. Oui, oui. Et pourquoi? À cause de son étoile. Oui. À cause de son étoile. Oui. Ça fait combien d'années que tu es dans sa vie? Depuis 97, elle est en souffrance. Elle est venue. Elle est venue. Elle est venue. Depuis 97. 97, elle était malade. Elle est venue chez mon mari. Mon mari l'aimait tellement plus que lui-même ses enfants. Et ça m'a fait mal. 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 Je t'ai dit que ça m'a fait mal aujourd'hui. Ça m'a fait mal. Et où t'as mis sa vie? Tu as pris ça, t'as mis sa vie. T'as mis sa vie là-haut. La cause, elle, ma vie qui s'occupait de moi est morte parce que son Dieu a frappé ma fille. Elle prie. Elle est une femme de prière. Quand elle propose. Où tu as mis sa vie? Sa vie. Tu me demandes où elle a dit sa vie. Si, si, si. Toi, tu me demandes où elle a dit sa vie. Si, si. Parce que elle le sait. Oui, non. Où toi, tu as mis sa vie, toi? Elle le sait. Oui, non. Pas parce qu'elle sait. Moi, je veux savoir où tu as mis sa vie. C'est moi qui veux savoir maintenant. Où tu as mis sa vie? Si, où tu as mis sa vie? Ça veut dire que là, elle m'a humilié. Où tu as mis sa vie? Elle m'a humilié. Elle m'a humilié. Après, elle m'a humilié. C'est qui m'a dévoilé. Pendant des années, je suis là, j'ai maltraité les gens. Après, elle veut me dévoiler. Elle dit, où tu as mis sa vie? Je ne demande pas ça. Je te demande ça. Ne me demande pas. Mais si je te demande. Ne me demande pas. Dieu. Je te dis, ne me demande pas. Si je te demande. Ne me demande pas. Je suis plus fort que ne me toi, demande nom pas. De Jésus. Ne me le demande pas. Voilà. Ne me le demande pas. Le feu sur toi. Ne me le demande pas. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. 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 Le feu sur toi. Non. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Non. Ça ne se discute pas. Non. Sa délivrance ne va pas se discuter avec toi. Elle sera délivrée. Tu quitteras sa vie. Au nom de Jésus. Qui fera sa vie. Au nom de Jésus. Je ne m'enchante pas. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. C'est à cause de la petite fille. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. À cause de quoi? La petite fille a fait que mon fils, que moi-même j'ai voulu tuer, ne peut pas mourir. Parce que celui dont tant d'amour a pris pour lui, ne peut pas mourir. Et tant que mon fils est là. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Tout ce que je veux, c'est de quitter sa vie. De quitter sa vie. Si, si. De quitter sa vie. De quitter sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Et puis elle va voyager. Et puis elle va prospérer. Et puis elle va avoir l'argent. Elle va construire des maisons. Elle va avoir étage. Elle va être bénie. Tu dis quoi même? Non. Moi j'ai perdu ma fille là. Je meurs avec elle. Ah, tu vas mourir avec elle. Mais Jésus est déjà mort pour elle. Jésus a déjà payé le prix. La mort, là, Jésus a déjà porté. Je t'ai béni, je t'ai dit, tu sais, tu l'as vu, quand tu l'as vu, tu as vu son étoile. Maintenant, libère-la. Oh, tu as vu comme le foie, elle est bénie. Oui, libère-la. Libère-la. On parlera trop d'elle. Oui, mais libère-la. Partout dans le monde, on parlera d'elle. Et tu me demandes de la libérer, partout dans le monde, on parlera d'elle. Libère-la. Voilà, quoi? Oui, yo! Oh, ne me demande pas ça, ne me demande pas. Libère-la. Ne me demande pas ça, ne me demande pas. Elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Je la libère. Je vais te dire un truc. Je la libère. Elle est venue en visite à mon fils. J'avais une femme derrière elle. Quand mon fils a voulu, je suis passée par mon fils pour la tuer. La femme qui était derrière elle était armée d'une épée. Et la femme l'a tapé mon fils. Mon fils est malade. Et mon fils va mourir. C'est à cause de cette petite fille. C'est cela, je ne veux même pas que l'onction que
Il a mis sur elle-même. Mais c'est ce que Dieu a décidé de la bénir. Tu comprends? Et ce que Dieu a décidé là-haut, tu ne pourras rien contre ça. Tu ne pourras rien contre le plan de Dieu pour elle. Le plan de Dieu pour sa vie, c'est qu'elle entre dans sa bénédiction. C'est pour ça que Dieu l'a créée. Dieu lui a donné une destinée. C'est la destinée, la bénédiction. Son étoile brillera, comme tu l'as bien dit. Son étoile va briller parce que c'est pour cela que Dieu l'a appelé. Donc quitte sa vie. Quitte sa vie. Oui, quitte sa vie. Mets-toi en genoux. Tu reconnais la souveraineté de Jésus. Rampe et puis va. Il m'a déjà détruit. Il me reste quoi encore? Il te reste, tu dois aller. Non, ça ne nous intéresse pas, ta vie. Ta vie ne nous intéresse pas, c'est la vie de cette dame qui nous intéresse. Lâche-la. Tu m'attends? Lâche-la. Tu dois la libérer. Avec toute sa bénédiction. Kilinawali, Okamo Azile, la dog Kilinawali, oh yeah. 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 Si on a mieux, la gosse, si on a mieux.